Salut tout le monde, c'est Priya. J'espère que vous allez tous et toutes bien, les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le live. Nous sommes sur Alice, retour au pays de la folie, et c'est l'épisode numéro 7. On s'était laissé, j'étais en train d'essayer de faire cette fameuse rose rouge. Donc on va essayer de faire le challenge. Je ne sais pas si je vais réussir à faire le challenge parce qu'il est assez difficile à faire, mais on va essayer. Salut Céline, coucou Jean-Louis, salut Cécile, comment ça va? Bienvenue à tous, salut Ludo, merci Ludo pour le partage. N'hésitez pas à me dire au niveau du son si vous avez du bon son, si le son du jeu n'est pas trop bas ou n'est pas trop haut, si ma voix est ok ou Pas le pas. temps à perdre, ni le temps du temps. Ok. Les gars, ok sur Twitch, ok. Attends, hello, coucou, comment ça va? Ok, le centre de jeu est ok sur Twitch, ok, nickel, merci beaucoup Ludo. Sur Facebook aussi, il est ok parce que j'ai pas vu si vous aviez écrit des messages un peu avant là. Mais c'est lui qu'à chaque fois je lui défonce la gueule en fait. Faible. Alors Céline a dit que c'est ok, mais Ludo a dit que ma voix était un peu basse. Je fais quoi alors? Est-ce que je monte ma voix ou pas la peine? Ou est-ce que je baisse un petit peu le son du jeu pour que ma voix puisse être un peu Pas le mieux temps à entendue? perdre, ni le temps du temps. Tomber en bas. Ah, pour ma voix sur Twitch. Pour moi, c'est nickel. Ok, sur Twitch, Ludo dit que ta voix. Ok, ma voix sur Twitch. Est-ce que je vais pouvoir sortir? Non. Est-ce que c'est super gênant ou pas, Ludo?
quand même. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le jeu est plus fort que ma voix. Je comprends pas. Hier, il était bon le jeu. C'est chiant entre deux jeux. Ça fait chier ça. Comment je vais faire? Je peux pas sortir sur celui-là. C'est un peu. Il est un peu chiant, Alice. Est-ce que j'ai réussi ou pas, ça a marché ou pas? Je comprends pas parce qu'on a fait toute la configuration hier sur Twitch. Je comprends pas le délire avec Twitch. Alors hier ma voix elle était trop forte, aujourd'hui elle est trop faible. C'est un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre comme jeu, comme truc. Non, non, c'est pas la faute de Ludo, c'est que je comprends pas. Hier, ma voix, elle était beaucoup trop forte. Et aujourd'hui, alors que c'est deux jeux qui sont sur PC, j'ai pas touché la configuration. Je le fais une dernière fois, si j'y arrive pas, on avance le jeu. Sinon, coucou Alex, je suis en prospection. Ok, nickel. Ouh.
Putain, mais c'est la merde. C'est bon, on avait bien réussi là, mais là, je me casse. Ça va super, merci beaucoup Alex. Je validerai pas celui-là, c'est trop chiant. Ah ouais, non, il est trop chiant. Il est trop tiré par les cheveux. J'étais presque, il m'en restait que deux, mais je me sens pas. Je me sens du tout... Attends, il y a Cochonou là. Ouais, franchement, il est pas facile, hein. J'avoue que là, le niveau pour avoir la dernière fleur rouge, là, ouais. Un peu tiré par les cheveux, le truc, hein. Pas pour en dire, mais... On est bon, c'est pas grave, on a essayé. Un peu trop level pour moi. Hop. C'est dégueulasse, ici. Toute image raconte une histoire. La fin n'est pas toujours heureuse. Mais la comprenons-nous bien. Ok. Oh, mais c'est quoi cet endroit? C'est flippant. T'as ici. C'est possible, oui, je peux y retourner parce que je peux refaire le chapitre en fait comme je veux, mais faudra que je refasse le chapitre complet, je pense, et c'est ça qui est un peu chiant. C'est-à-dire qu'il faudra que je refasse tout pour pouvoir revenir à ce niveau-là, tu vois. Là, il n'y a rien ici. Je ne peux pas mettre un endroit pour bien voir parce que des fois c'est traître. Ça va peut-être s'ouvrir après. Ok. Mais ils sont tous là. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au spectacle. Drôle de spectacle. L'entracte est terminé, je pense. Assez de préliminaires. Voici le numéro que vous attendiez. La preuve que je suis innocent et que je suis de très bonne humeur. Lames et trônes sont vains quand le monde entre dans la danse. Travailleurs, juristes, marins, saints ont tous me mettre sur les Twitch, mêmes chances. La mort imprévue fait partie de la vie. Il faut bien l'accepter. Bien peu ont un bonheur infini. Rien ne sera plus. Les plaies, le feu, les maladies, les meurtres, noyades ou incendies, les chutes. Bienvenue à tous ceux qui sont sur Twitch. Est-ce que ma voix sur Twitch c'est mieux ou pas, les gars, que je l'ai augmenté? Je travaille sans une seule pause, dure toute la journée. Après la danse, je me repose. Le repas peut commencer. C'est l'heure de manger. Nous sommes tous égaux devant la mort.
et nous sommes tous comestibles. En vente la tue, doudou, tout le monde sera servi. Ça alors, un festin en plein destin incertain. Je ne suis pas votre ennemi, Alice. J'ai tenté de cacher toutes ces merveilles à ce monstre. Répit de courte durée. Chacun joue son rôle. Êtes-vous pion ou reine? Donc idiote ou vol allié? Quelle qu'en soit l'issue de cette bonne farce, il est possible que vous soyez le dindon. Alors, pour qui? Oh non! Qui a mis ce maudit train en marche? Et d'où vient-il donc? Il est arrivé en même temps que vous! Il est bien plus guéri que vous pour gagner la vie. C'est un tueur de rêve! Il n'y a que le temps d'ici. Il doit savoir comment. Le sang dans ma bouche est amer. Nourrice, où est la brute qui m'a frappée? Le vaurien rôde dehors. Il est en vie, hélas. Que voulait-il? Ce qu'ils veulent tous, l'argent qu'il n'a pas. Pourquoi es-tu allé te forer là-dedans? T'aurais pu être tué. Nourrice, ma tête explose. Des visions terribles me hantent. Je dois savoir. Au sujet du feu, encore cette histoire. Tu dois oublier, Alice, et moi aussi. Bon, au moins ne parle-t-elle plus de cet asile. Mon passé est mort, je les ai tués, j'aurais dû les sauver, j'aurais dû mourir. Elle en perdait totalement la tête. Radcliffe pensait que des têtes connues l'aideraient. Un an plus tard, ce sale type s'est désintéressé de son héritage. Il lui posait toutes sortes de questions. Ça n'a fait que l'affoler, la pauvre. Et la démence ne sert d'excuse qu'aux meurtriers. Quand elle ne commettait pas, elle crisait, les yeux révulsés. Elle bavait, poussait des cris stridents. Sans jamais articuler de paroles. Comme l'enfant qu'elle était, elle gardait ses secrets. Salut mon petit Greg, comment ça va? Pickpocket. Merci Guillaume pour le like. Aussi nombreux que les cafards, ces pauvres mômes sont la proie des pervers. Comme les fourmis sont les proies des guêpes, et les mouches sont les proies des araignées. Vous avez vu ma chambre à Rutledge? Que faisiez-vous? Tu t'en souviens? Radcliffe m'a payé, quelque temps. Une femme seule doit parfois faire des choses qu'elle n'a pas forcément envie de faire. Mais tu le sais. L'infirmière Whitless a dit que les temps étaient durs. Je ne bois pas comme elle, je ne fais pas de mal. Merci, je me Alex. Prostitue, c'est tout. Certes, Nourrice. Elle a aussi dit que vous aviez peut-être mon lapin. Nourrice, parlez-moi de... De ce maudit feu, ça ne sert à rien. Écoute, je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Radcliffe a écrit le rapport d'enquête. Allons le voir. De plus, il a ton stupide lapin, tu devrais le savoir. D'accord, mais Monsieur Radcliffe n'est pas doué. Je le sais bien. Ok. Alors, on doit aller où? Tu fais la concierge? Ouais, j'ai le droit de savoir. Un magicien chelou. Pour ça, vous n'aurez qu'une poignée de main. Étant donné la qualité... Bienvenue tout le monde. Alice Liddell, Monsieur Radcliffe. Ah, enfin! Vous feriez mieux d'entrer. Je vous ouvre. Moi, j'aime bien aller fouiller partout. Très
composé l'angle de Chine sur la mesure à laquelle il est composé de combien. Ok. Non, non, du tout. Il y a encore plusieurs choses à faire dedans. On n'a pas encore vu la reine de cœur et tout et tout. Elle fait des... comment ça s'appelle? Elle rentre et elle ressort du pays des merveilles. Et vos bonnes manières? Où donc les avez-vous laissées? Les auriez-vous abandonnées à l'asile de Rutledge, ma chère? Nous en avons déjà parlé. En colère, comme toujours, prenant les gens de haut et accusant à tout bout de champ. J'aurais volé son lapin. C'est vraiment ridicule. Elle est revenue pour l'incendie. Elle n'a que ses mots à la bouche. Les comptes rendus parlent tous d'une mort accidentelle. Elle n'y croit guère, rabâchant toujours ses maudits souvenirs, sa quête de vérité. Voilà la vérité. Le chat de la maison a tout simplement renversé une lampe dans la bibliothèque. Les flammes ont piégé ses parents à l'étage. Sa sœur Lizzie n'a même pas tenté de fuir. Elle est morte dans son lit. Le pauvre chat est le seul coupable, mais pas pour Alice. C'est absurde, impossible, etc. La pauvre enfant. Dès le début, j'ai soupçonné la fille d'être pyromane. Elle fait une fixation sur le feu. Mais comment le prouver? Elle insistait pour voir le rapport du légiste. Mon Dieu, quelle horreur. J'ai souvent pensé qu'elle n'était pas tout à fait innocente dans cette tragédie. Elle a souffert de graves épisodes psychotiques. Vraiment taré. Lui ai-je arraché la tête? Je voulais. Ma pauvre tête va exploser. Est-ce folie de vouloir de meilleures hallucinations? Peut-être mon sort est-il de mourir ici. T'as plus rien depuis longtemps, en fait. Continue du rapport de ta poussière de mon lapin, maudit soit-il. Je t'ai fait une allume, meuf. Les musiques, elles sont top, en plus, j'aime bien. Des horreurs que des merveilles, ouais, c'est clair. Je sais pas c'est où le Viorc. Je l'endroit, mais il a quitté précipitamment. Je ne peux pas passer par là, mais je me souviens d'une porte à l'arrière. Tu rêves un peu, meuf, je crois. J'ai un peu en train de rêver, copine. On est revenu au pays des merveilles. Quel épouvantable ravage! Le pays des merveilles est corrompu. Le monde diabolique te fait peur? Cet enfer auquel tu fais face n'est peut-être qu'une illusion. Tu ne mens pas si bien que ça, et je ne suis pas aussi bête. J'aurais cependant préféré quelque chose de moins néfaste. Tout ceci est arrivé par ta faute, Lidl, et ne va sûrement pas s'arranger. Ton train avance à un rythme infernal. Va-t'en, le temps n'attend pas, le changement est en route. Le train à lui seul suffit à me terrifier, le chat. Trouve-toi autre chose à faire. Y a-t-il donc si peu d'espoir? Encore moins que ça. Et si la peur te bloque, nous sommes perdus. Merci pour le like. Alors... Thank you.
Oh merde. Ils font tous peur, ils font tous flipper les cons. Alors attends, on a quoi là? Ok, alors attends. Ah, ça c'est l'autre con. Voyage commence toujours par un premier pas. Mon premier pas sur London Bridge pourrait être le dernier. Alice la Trouillarde, c'est ce que tu veux voir écrit sur ta tombe? Alice la Trouillarde. Ok. Sur la plateforme là. Non, je vais pas y arriver hein. Comment je vais faire? Attends, je dois rater un truc. Il y a un truc que je dois rater. Ce rebord vaporeux ne sera aussi fragile et impalpable que ta confiance. Il t'aidera, crois-moi. Oh, putain. Attends, on va te coller. Raté. Est-ce que je peux les récupérer si je me mets là? Si je laisse le truc avancer. Ouais. Attends, on est où au niveau des armes? 800 pour le couteau. 175. Ouais, on va attendre un peu. Hein. Pas buté. Oh, là je vais pas. Oh, attends. Rien là. Non. Thank you.
rapeter. Oh, on est où de tous nos trucs là? Ah oui, c'est un nouveau chapitre. Ah putain, mais j'ai pas vu dans l'autre chapitre si j'avais réussi à récupérer les trucs ou pas. Si j'avais récupéré beaucoup de choses ou pas. Faudra que je regarde. Ok. Même bien à tous les gars. Non, ok. 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 La molette en haut, en bas. Ok. J'avais galéré avec lui déjà là, il va m'emmerder hein. Du foutage de gueule ce jeu. Oh mais on est en mode facile en plus les gars. Tu fais quoi? T'es en mode facile là. C'est pas bien ou quoi? Je crois que le mode facile c'est que c'est quoi le mode normal et le mode hardcore? T'en sors pas? Thank you.
Ma mort. Ouais, j'ai mis le mot d'ici. Attends, en fait, je me suis trompée, j'ai mis le mot qui m'est dit. Putain, c'est ça. Mais attends, en fait, je joue en mode difficile depuis le début. T'imagines? Attends, en fait, c'est pour ça que je suis en mode galérienne. Ok. C'est bizarre, tu as vu, maintenant je peux viser alors que tout à l'heure je pouvais pas viser. Oh merde, c'est trop chelou. Enfin, c'est vrai que je trouve qu'ils sont quand même assez difficiles pour un mode facile. Attends, oui, je me suis trompée.
c'est pas mis en mode facile du tout. Quel désastre! Qu'est-il advenu de ma belle famille? Le temps passe et les choses changent, souvent pour le pire. Aucune famille n'est à l'abri d'une telle catastrophe, Miss Liddon. Bien sûr, le malheur d'une famille pourrait bien faire le bonheur d'une autre, ou de la seule membre qui aurait survécu, si vous me comprenez. Elle bloque. Ah oh, putain, là, je ne sais pas que c'est ça. Je l'ai bloqué même. Sérieux. Je sors. C'est un rouage. T'as bloqué sur un rouage. Je sais pas si on peut voir le. Ouais, je suis en mode facile, les gars. Mais c'est quoi le mode normal et le mode difficile? C'est des malades mentaux, eux. Le mode difficile, c'est le mode impossible, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Je fais une allure. C'est le mode facile, on est en mode galère, hein. Oh, tu m'emmerdes, hein. Mais le mode dur, t'as ce mode facile. C'est clair. Bienvenue à tous les gars. Okay.
Oh, mais j'ose même pas imaginer. Ah, si j'avais été dans le monde normal. C'est sûr, mais attends, mais quand même chaud quoi. Tu sais, moi j'aime bien quand c'est une balade de comment on appelle ça, une balade de printemps là. Moi j'aime bien quand les jeux, je les survole, tu vois. J'ai pas de difficulté et tout, c'est un peu chier là. Oh putain de merde, je vous aime pas du tout les gars, je me casse. J'attends parce que tant il y a des trucs à faire là d'abord. Ok, donc je vais essayer quand même d'aller là-bas. Ah merde, je crois que je peux plus y aller, non? Allez, on va essayer de péter la gueule de la théière. Ça va par où ça là-bas là? Mais j'aime pas quand le jeu résiste. Bon alors attends, le truc c'est que ça me fait aller là-bas. Ça me fait aller à la suite. Ce qui veut dire que là-bas au fond, il devait y avoir un truc. Quoi là-bas? Il y a ça là déjà. Donc là-bas au fond, il devait y avoir quelque chose. Merde. Merde, je peux plus y aller. Mais comment je retourne alors? Il est con quoi.
Donc il doit y avoir un truc là-bas. J'ai dû rater. Parce que c'est par là que ça commence. Mais pour toi c'est bien Ludo, bah pour moi chacun ses goûts mon petit gars. Moi non, moi ça m'intéresse pas. Voilà, tu vois. Un truc très intéressant. C'est comme... Attends, c'est quoi ça? Comme il y a des gens qui adorent faire les modes experts, mais les modes super difficiles, moi ça m'intéresse pas du tout. Ça c'est tes trucs à toi mec. Moi, je prends aucun plaisir à faire un jeu difficile. Aucun. Moi, j'aime bien, c'est explorer, découvrir l'histoire. Et que quand j'ai des boss à buter, je leur donne 3 coups, là, ils sont morts. Sinon, c'est pas drôle. On a quoi, là? Pourquoi tu veux être là, ton meuf? Pourquoi on a ça, là? Juste comme ça pour ton délire? C'est juste pour son délire, ok, ouais. C'est vrai, la princesse Peach. C'est vrai. Alors, attends, on a par là, il y en a. Ouais, c'est juste là pour ça. Merci Lishype pour le Lisnipe. Désolé pour le like, je crois, pour le follow, je sais plus. Bienvenue à tous. Okay. Pour l'instant, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de petites portes ou ce genre de choses. Bizarre. Oh, tête de cul. Là. Ah, je me disais bien que j'avais entendu un con là. Merde, vas-y, cours vite. Enfin, qu'ils se remettent en marche. Comment j'y vais, là? Il va y avoir un truc après, je pense. J'ai pas le temps de les taper, ces grosses merdes là. Connard. Qu'est-ce qu'on augmente? Ça, parce que ça aussi, ça tue les grosses têtes cheloues là. Et ensuite, c'est 700. Ah,
Oh merde. Putain, mais ça enchaîne cette grosse merde là. Chiant. Oh merde. Sérieuse meuf, oh, t'es vraiment nul. Ah mais ils ont repopé, c'est sérieux ou pas? Oh, où tu t'arraches les cheveux en fait. Par là, hein. On se fait chier. J'ai fumé une cigarette, Alice. C'est dégoûtant. Un jour, j'essaierai la pipe. Ok. Alors, on a le petit sac. Oh putain, mais... Oh merde, le sac du petit cochon là, que j'avais trouvé. Je suis pas allée le chercher. Comme une conne. Je viens de réaliser... Attends mec, je te prends après. J'étais dessus. C'était trop beau. J'étais dessus. Attends, tu peux me dire quoi? Cette vision, cette infection, ce sinistre bruit, qu'as-tu imaginé, Lidl? Je la vois, la plateforme. Thank you.
Wouhou. Encore lui. Oh, putain de merde. En fait, leur théière de merde, elle est nulle. Nulle, nulle, nulle. Il y a eu les Serra Shaper à venir me faire chier. C'est quoi les Serra Shaper? Je connais pas. On est bon. En fait, je me suis fait chier tout à l'heure à galérer à le buter sa gueule à l'autre. Alors que tu vois, j'aurais dû prendre le poivre au lieu de prendre leur théière moisie là. Tu n'es pas le centre du monde, Alice. Regarde les ravages autour de toi. Essaie de comprendre. Ensuite, viens avec moi. Ok.
Je veux bien, mais comment on monte là? Peut-être comme ça. Ok. Protège la mer, ouais, si t'as pas le droit de pêcher à certains endroits, c'est normal, non? La peau humaine, brûlée par le feu ou la vapeur, n'est guère appétissante, pas plus que celle d'un radis. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais après ça dépend. Si l'endroit où tu pêches est un endroit qui est conservé, protégé, là, c'est un peu délicat. Alors attends, mais attends, je suis venue là pour faire quoi là? Il n'y avait rien en fait dans ce bled. Je m'ai pas vu ce que j'ai récupéré. Je t'ai récupéré un truc. Ah, salut Jean-Mi. Voilà. Bon, de toute façon. Connais-tu le dicton « fumer retarde la croissance » ? C'est ce que disent les adultes aux enfants, tout en fumant ostensiblement leur pipe. Il n'est pas utile d'inhaler, laisse seulement la fumée t'envelopper. Ouais, c'est un jeu super sombre. On est au Japon. Voilà. On fait voir, c'est un nouveau chapitre, ça? Non. C'est toujours la même. Ok, mais on est bon. On est bon, les loulous. T'as pas demandé de faire ça, copine. On est good, on est good. Hop. Eh bien, les amis, on va se laisser ici pour l'épisode 2. J'espère que l'épisode vous a plu, les gars. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. À vous abonner pour les personnes qui souhaitent s'abonner. On a les abonnements qui sont grâce. Qui sont gratuits et classiques, qui sont gratuits, qui vous donnent accès à tous les lives de la semaine pour me soutenir. Vous avez aussi des abonnements avec plusieurs avantages. Donc les abonnements qui sont à 4,99€ vous permettent de jouer avec moi en coupe. Nous sommes sur Elden Ring.
tous les dimanches entre 1h30 et 2h30. Vous avez la possibilité d'être sur le Discord avec moi. Je suis en vocal de temps en temps selon les jeux, je fais des lives privés. Mais je suis souvent en vocal après les lives, je reste un peu, je peux rester une demi-heure ou une heure, ça dépend si je suis fatiguée ou pas. Soit je vais rester un peu puisque demain je suis en repos, c'est le week-end, donc je ne travaille pas le week-end. Donc je vais pouvoir rester un petit peu avec mes abonnés super fans. Et le meilleur pour la fin pour mes abonnés, eh bien, vous avez un jeu vidéo à gagner que je vais faire par tirage au sort tous les 2 mois. Le prochain tirage, c'est la semaine prochaine, les amis. Donc voilà, je vais sélectionner le ou la gagnante du jeu de son choix. Elle choisira ce qu'elle veut. Jeux qui sont déjà sortis ou jeux qui ne sont pas encore sortis. Ça dépend de ce que la personne va vouloir. En tout cas, je vous fais tout plein de très très gros bisous. On se donne rendez-vous demain pour continuer nos aventures sur le jeu Vampire de Masquerade. Swan Song, donc c'est un jeu sur les vampires, nous jouons des vampires et voilà, on doit sauver Boston. Voilà les amis, en tout cas des gros gros bisous, passez une excellente journée, je vous dis à tout de suite pour les abonnés super fans et à demain pour le reste de la clique. Des bisous à tous, bye bye.